Eh bien, salut tout le monde. Monsieur Smyrne, je faisais la pêche à patate. Comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Assassin's Creed Origin. Aujourd'hui, on va tuer le fameux crocodile. Donc, en fait, faut aller dans l'arène, quoi. On est rendu là. Bon, le chargement. Hein. Donc après Origin, il y aura le retour des deux Rainbow, comme je dis. C'est ça. Rejoindre l'arène de Crocodilopolis. Donc je t'ai rendu là. Hein. Ouais, parce que je me sens un jeu, il y a deux arènes. Hein. Il y a l'arène. Ouais, il y a une autre arène plus grosse que l'arène de Crocodilopolis. Normalement, l'arène, c'est tellement un truc pour un jeu. Là. Hein? Il y a un bug ou depuis qu'un baïque ne peut pas grimper un truc? C'est rare là parce que dans les niveaux assez partis d'origine on peut tout grimper. La reine des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Hé, hey, Neb. Oh. Que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. Ben oui, c'est ça. Des guerriers aussi féroces. Ils pourraient te briser les chines d'un coup de poing. Ah. Est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Partout les dieux. Tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois? Tu ne sens pas leurs regards. Leurs statues sont là, derrière moi. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. D'accord. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Bah, Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent dans ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Chef, ah. Il nous faut d'autres... C'est toi le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Oh oui, mais c'est un qui chien lui. C'est bon à rien qui cherche à devenir célèbre. Ah bon, c'est ça. Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chamelier. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait finalement avec tes airs de chien pelé. Hey, non, mais tu dis putain, il est chien, je lui dis. Bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors,
Les frères gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à la reine pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Cet épisode-là va être long, ça je vous le dis. Mais je m'en souviens que c'est quand même long, la reine. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. Bah, il doit la connaître normalement. Bon, en tout cas. Non! Ça, c'est une quête annexe, je crois. Ouais, c'est ça, je m'en fous de ce qui est annexe. Je dis, l'épisode pourrait. Oh! L'épisode pourrait bien durer une heure, hein. C'est pas des jokes, hein, il... Bon, si c'est d'une heure, c'est pas grave, on s'en fout, là. En tout cas, cet épisode-là, on va tuer le crocodile, là. Le sang crocodile, il est long, hein, aussi long que le scarabée crocodile, là. Quand je me rappelais plus au début, mais là, je me rappelle à cette heure. La reine et tout, voilà, en tout cas. Ça fait quand même 3 ans que j'ai fait le jeu, là. On dirait. Ah, il y a connaît, sûrement. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Et boire. L'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de la reine. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côté. Yes. En attendant, oh, c'était bonne. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je la suis mec. Que tu sois ben, ici, mec. En tout cas, c'est pas un mec, là, mais bon. Faut prêt à entrer dans l'arène. Des deux doux. Ah, une mitraillette. Alors, on va aller s'entraîner, hein. Par contre, je sais pas si je vais le garder le mode cauchemar, non. Parce que là, pour la reine. Parce que là. Je vais le mettre en normal. Là. Parce que là, la reine, ça m'a la cheat, hein. Ça va être tough, là. Ah, monsieur, tu... Ah non.
assurer la sécurité de tout sa crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques et égyptiennes s'impose. Non, mais je dis ça va être un gros épisode de 45 minutes minimum, là. Peut-être même plus. Je dis ça, mais t'es ça de moins long, là, mais... Ah, par contre, la reine, c'est vrai qu'elle est stylée, honnêtement. La deuxième arène, moi aussi, est encore plus cool là, et plus grosse. La reine, c'est tellement un bon truc qu'on va acheter dans le jeu, honnêtement. Prochain Assassin's Creed, là, s'il y a une arène, franchement, je vais être content. Hein. Il y en a pour dire, c'est pas cessé, ni ni, mais puis on s'en fout, là. Désolé. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Hubert a été mis en pièces par les lions. J'ai peut-être une place pour toi. Et si Kensa se porte garant. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu. Allez, entrez. Ah, c'est ça. Lui, il est chiant, je m'en souviens, là. Toi, je vais toutes les massacrer, moi, je suis chaud, là. Je bague des soi, là, je suis un assassin, là. En combat, je suis un pro, là. Je le mets déjà, là, fait qu'oublie ça, là. Je vais me battre, là. Peut-être bailler que c'est le dernier major, il me semble. Mais déjà, c'est comme des protecteurs, des gardiens. Les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Arc, les excréments. Pour dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. C'est probablement ici que tu mourras. Oh, mais non, ben oui, tu penses. La foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Je suis me battre, hein, j'ai pas besoin d'entraînement. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose. Alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures. Et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Ah oui, c'est vrai ça. Tu connais déjà Kensa. C'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Je sens pas des lances, etc. Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Ha ha! Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Ah ouais, go, viens. Tu as fait des progrès. C'est que je veux la dé... Tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un chien de sable. Comment je l'ai massacré? D'accord, comme ça. Tu as un partenaire. Je t'ai one shot là. Bientôt. Soyez prêts. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Regardez même. Non, mais comment je l'ai massacré? Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Bah ouais, c'est sûr. Putain, ils sont fucking en tête, là. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le prince.
principal obstacle à notre gloire. Les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Oh, tu me mets ça comment il veut massacrer. Parlez à Félix afin de combattre. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décidez pas la foule. Ni moi. Bon, si vous voulez que vous voulez de la bataille, les mecs, il y en a dans cet épisode-là, hein. Salut. Je suis vrai, j'ai pas mon arc, je pense. C'est leur sang qu'ils réclament ou le nôtre? Peu leur importe. Il n'y a pas de chance. Ne retiens pas ta larme. Eux ne se gênent pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. T'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Daniel. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce dont j'ai touché. Tandis les sables n'ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. Continue comme ça, et nous attirerons le regard d'un riche mécène. Et ensuite? Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale et gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Ouais, mais ils travaillent pour le crocodile. Nous faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Ah ouais. Hein, t'as pas su de bête contre moi. Oh, je pense qu'on a gagné. Genre, qu'est-ce que je suis ici, moi? J'ai eu une idée de génie en associant deux Nigo comme vous. Bah ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères Gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, oui. J'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux. Toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez là. Ah là, il y a des lions, yes, pis de chien. Peut-être des preuves de l'implication des frères Gaulois. Peut-être même l'identité de leur mécène. Ah oui, il faudra, c'est qui que Codier, non, c'est pas encore. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces lois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu as parlé? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Bon travail, espèce de chien galeux. C'est de te battre. Putain, mais il est tellement un chien. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous.
On ferait un bon spectacle, on en profitera tous. La reine des sirènes. C'est ça, c'est la reine des sirènes, la deuxième arène. Parce que oui, ceux qui savent, qui regardent, je suis en New Game Plus, oubliez pas, hein, fait que... Des chiens. C'est un Let's Play sur YouTube, hein, Let's Play Origin. Pas souvent contre des lions. Seulement contre des lions. Ils coûtent bien plus fort que les hommes. Eux, ils ne manquent pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire défendre. De toute façon, ils sont en cage. Tout ira bien. Du moment qu'on ne libère pas. Rien ne résiste aux méchants et à l'esclave. C'est ce qui est. Y'a pas un mec à l'arc qui fait chier. Oh, y'a un gros. C'est un gros quoi. Il le lance où, Bayek là? Les lions devaient être en cage. Il n'y a pas de règles dans l'arène chez nous. Oh, 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 faut pas que je crève là. Oh, 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 putain. Plus j'étais en normal, hein. Non, il m'a tué, mais non, mais c'est quoi là? Gros, j'étais en normal en plus. Putain, j'ai mal joué là. Non, je vais le laisser en normal pour l'instant. D'accord. On se bat souvent contre des lions. Seulement quand Félix en a. Il coûte bien plus cher que les hommes. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire dévorer. De toute façon, ils sont en cage. Tout ira bien. Au moment qu'on ne libère pas. Rien ne résiste aux méchants et à l'esclave. Ils sont plus féroces que des fous. T'aurais pas dû venir ici. Vous croyez que les lions devaient être en cage? Oh, oh, il fait mal lui. Je vais pas spoiler là, mais en tout cas, on a vu quelque chose d'intéressant. Wekensa. On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Ok, c'est correct. Mission pour le mécène inconnu. Et
Combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Très bien. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Bah oui, tu peux gagner, Bayek, hein. Le voilà. J'ai mis les combats dans, tu sais, juste qu'il y en a qui vont pas... C'est parce que, tu sais, le système, c'est genre... Quelqu'un t'attaque, tu comptes, là. Quoi? Mais non, mais le bug! Le bug, quoi? Les pics, c'est une joke, là. Putain, je vais le mettre en mode facile, là, je joue pour ça, là. Pour ça, je le remets, là. Putain, mais c'est quoi la... Putain, c'est quoi la grosse blague, là? Putain, mais c'était quoi, là? Et faites ça, ben oui, je le veux. Pas ça, j'ai dit. Alors, regardez pas, après ça, je vais le remettre, hein, parce ça que... Ça va s'en tirer. Par Anubis. Ce mec, il comprend pas, là. Ah ouais, ça paraît, mais... Non, mais je m'en fais comme ici, genre... T'sais, genre, quelqu'un t'attaque, là, tu contre-attaques. C'est ça que... C'est une des raisons pourquoi j'aime le combo de... Quel guerrier! Mais non, mais il se tasse pas! Son chien. Bon, il y en a d'autres là. Voilà. Remporter tout le monde du jeu. Après, c'est sûrement quand les frères Goliath là. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Il s'en fout de... Il veut juste genre trouver le crocodile. Félix nous attend. Allez, on va affronter le boss final. On va voir s'ils vont cheater. Lui aura juste le boss, je pense. Hey, pourquoi tu prends mon épée? Ah, je l'avais dit, hein, que cet épisode-là va être long, hein. Dédédouk à mitraillette. Ça me fait tellement rire. Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères gaulois. D'accord, nous ne les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Pas sûr que Bayek va aimer ça, hein.
Ça y est, il peut être celui-ci. Notre heure de gloire. On nous construira des monuments. Et on... Ah, c'est eux qui ont tué la petite, oublie ça, ils vont les tuer direct. Hein. Ah, 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 mais oui, n'importe quoi. Check l'autre avec ses chains. Ah, c'est des. Donc, on va voir s'il est fort. Hein. Ben, il est comme. Allez. Oh, on tue lequel en premier? Il y en a un qui est déjà à mieux de sa vie. Oh, quand même! Genre, tu sais. Par contre, j'aurais peut-être dû le mettre en mode normal pour ça. Ah, son frère est mort, il va pas être content. Ben, il est mort. Ben là, il l'a tué, c'est quoi, là? Par contre, Bayek, c'est parce que avec autant. Crocodile! Les frères Gaulois ont été vaincus! Tu as tué la petite Shadia! Vous méritez au moins la mort! Petite près du phare! On l'a pas tué! Je le jure! Nous avons fait des choses terribles, horribles! Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. C'est qui? C'est vrai. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Bérénike. Au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre. Oh putain. Et qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous on n'a rien pu faire. C'est elle la crocodile, putain. C'est pour ça que tu es venu à moi. Davier. Pour démasquer cette mécène. Ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire. Alors, tout comme eux, je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches. Voilà. C'est la petite salope, celle qui a la petite calice, qui a tué la petite fille, hein? Ou ma petite vieille, hein? Moi, je m'en souvenais que c'est la vieille. La petite... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était un bout de porteur, parce qu'on l'avait vu. J'ai dit quelque chose dans l'oreille et tout, hein? C'est l'heure de la tuer, il a oublié ça, là. Donc l'histoire, on est loin d'avoir fini, hein. Ben loin. On a fait... Je pense qu'on a fait la moitié après ça. Là. Ben, je sais que c'est pas fini après, là. Je vais pas spoil, là, mais t'sais, pensez-vous qu'il y aura pas d'autres assassins, là? Ben, d'autres Templiers à tuer. Ben, les Templiers, des anciens Templiers, ça me m'en fait, là. Le crocodile Bérénike, hein, ma petite tabarnak, t'as tué la petite à lui?
Ah, ok, t'as pas, mais je vais la suivre. C'est quand même chiant, genre, si ordonner qu'on attache la chaîne pour la nouer. C'est elle qui a tué Shadia, qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville, le grenier de Gargisusa, le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa, où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant? Me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire, et nous tes mois devons faire notre deuil. À bientôt. Ah bah ben oui, c'est chiant. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Bah oui. Mais sans qu'il y ait une quête secondaire avec eux. Un directeur, rien débloqué. Ouais, ouais, je sais. Oh, la reine, c'est tellement... Bah, attends, je vais juste le montrer, je veux pas combattre, là. Toi, je te parle pas. Oh, il y a un taux de chargement, ça, j'ai oublié. Je vous dis, c'est tellement stylé, la reine, hein. Quoi? Non. Hein? Ah, bah oui. Donc épreuve d'arène, donc épreuve d'arène entendu. Donc t'as les frères, machin d'esclaves, t'en auras plusieurs autres. Hein. C'est pour faire les frères. Frère 1, frère 2, tu sais, plus difficile, puis normal bouclier. Bah si impossible, y'en a un qui avec la lance, tout, chaque type d'arme. Hein. Il y a lui du machin d'esclave. C'est vraiment bien foutu, hein. Mais celui à l'autre endroit, il est encore mieux foutu, honnêtement. En tout cas, assez parlé, on va aller tout le crocodile, là, parce que... Déjà, l'épisode est assez long de même, hein. C'était pas voulu, mais bon, regardez. Pas le choix, là. Bon, je sais pas si vous êtes pour le prochain semi, moi en tout cas très beaucoup. Moi j'ai hâte là. Il va être quelque chose hein. D'après moi il va être autant bon que Origins, hein. Peut-être même meilleur, hein. Je suis sérieux là. Honnêtement, moi j'ai joué à tous les à part le premier puis Unity là, mais bon ceux qui disent que c'est pas un vrai je suis complètement pas d'accord honnêtement là. C'est vrai que c'est moins assassin que les vieux, même origine aussi, mais quand même, là. Il y a la première civilisation, les Issou et tout. Et on a le présent, juste ça, ça prouve que c'est un Assassin's Creed, là. Honnêtement. Même origine, il est bon, mais il y a des chances que... J'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'on aurait un assassin, un manteau d'assassin dans le village. Parce que ça va se passer après origine, dans le fond. Donc déjà ça, ils vont. C'est au dire que la place assassin va s'appeler ceux qu'on ne voit pas. Déjà ça, ça montre que c'est un assassin quoi. Il y en a qui disent que là, les vikings gnien, gnien, c'est pour rien, ben je suis pas d'accord, hein. J'ai checké des infos puis les vikings ils étaient discrets aussi, hein. Honnêtement. Donc c'est pas une raison. Mettons. En tout cas, j'ai hâte, là.
Parce qu'après, dans mon esprit, ça aurait Origin Gameplay, là, après, là, mec. Et... J'aurais tout fini, à... j'aurais plus Assassin's Creed à jouer, là. Honnêtement, il y a des chances, je l'agite quasiment à sa sortie, là. Pas à la sortie, là, mais... Mais genre, peut-être un mois après, là. Genre, je vais l'acheter aussi en novembre. Tu sais, on n'a pas encore une date des sorties, mais pour moi, ça va être un... Bah, je m'en fous, je vais y aller de même. Après ça, il me reste presque rien. C'est à ça qu'elle ressemble, leur prospérité. Quoi? Ça, ça me fait rire qu'elle lance le truc de G. Là. Putain, je l'ai pas vu lui. Ils sont pas forts après leur... Oh, c'est mon ami. T'es sûr? Ouf, ça me tentait pas de me battre contre elle, honnêtement. Parce qu'elle est quand même une atténue. Tué. Ouais. Par l'un des vôtres. Eh, fils de pute. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer! Bah oui. Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenout et d'Otéfrès. Kenout est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Bah ouais, t'as tué un enfant pour ce... depuis... J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Berenike. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia! Ah, elle va le payer, c'est... Tant pis. Oh, je m'en fous, je veux pas, je veux pas. Je veux pas me battre contre mon ami. Hein? Ah, c'est moi, retourne après. Mais non, mais l'épisode finira plus. Il va durer une heure, puis là, les gens vont se demander pourquoi il est aussi long. J'avais dit une demi-heure à peu près, genre par épisode, il va durer une heure, non mais... Flakes! Oh, les flakes sont tellement puissants, là. C'est comme les mercenaires d'Odyssée. Les mercenaires d'Odyssée, c'est bien fait. C'est juste qu'ils devraient moins apparaître, genre, rapidement quand tu tues des ennemis. Oh putain, c'est dégueulasse. Un fourgon? Aya, qu'est-ce que t'essaies? Oublie Aya, tu veux bien? Abstergo est là. Oh non, putain, oui, je me rappelle. Oh fuck. Elle est morte, c'est vrai. Abstergo, c'est fils de pute, quoi. Oh, mais la lame d'assassin. Yeah, c'est le désassassiné. Je pense pas qu'on peut se battre, mettons. Parce que je pense qu'on peut pas se battre. Faut suivre du truc. Pourquoi mal, ça se passe bien?
Il faut que je les tue. C'est eux ou moi. Oui. Mais je vois rien quoi. C'est le dernier. Mais tu viens dessus, espèce de fils de pute. Mais il est sourd. Bon, t'as peut-être compris finalement. Non, ils l'ont pas tué. Fils de pute. Va te faire foutre, Abstergo! J'irai jusqu'au bout! Wow, tiens, la lumière, ça. Si vous écoutez ceci, tain, c'est que vous bossez pour Abstergo et que je suis morte. Alors soyez sympa. Faites en sorte que Sophia Ricky n'entende ça. Je rêvais de travailler sur le projet Animus. Ils m'ont fait poireauter pendant 12 ans. Ça ne m'a mené nulle part. Alors j'ai fabriqué un Animus qui accédait aux mémoires de n'importe qui, même hors de ma lignée génétique. J'ai même assisté à la naissance des assassins. Des artefacts, des tombeaux qu'on croyait légendaires. C'est moi qui les ai trouvés. En me tuant, vous avez perdu tout ce savoir. Je comprends pourquoi vous vouliez ma mort. Mais pourquoi avoir tué ma meilleure amie? Pourquoi est-elle... Non, mais descend! Putain, tu fais. J'aurais mieux fait de t'écouter. Ah, d'accord. Oh non, non, je veux pas interagir. L'ennemi ce matin, là. Oui, je regarde l'ennemi parce que. Oh, on aurait pu s'arrêter ici. Ah, oh, ben là, trop tard. À quoi ça va ressembler le présent dans le prochain, c'est aussi. Parce que le présent Origin, franchement, il est bien fait là. Moi, je trouve, là, honnêtement. Il y a pas trop de phases encore, mais quand même, ça dépasse pas assez trop au niveau présent. Mais quand même, il est foutu là. Puis Odyssey, il est pas peu aussi, mais il est pas plus que ça, mettons. Par contre, le cinématique qui dure une heure, merci. Hein. La voix des Janabis. Je devrais aller les voir. Peut-être, ouais, nous continuons sans compter, mais pas. C'est autrement. Ceux que nous avons traqués n'étaient pas les meurtriers. Qui moutent des chiens, oui, mais il y a deux autres noms. Que nous aurions Scorpion, le chacal, qui font partie de la garde royale de plein. Mais je vois la sonde de que finalement, on tombe en mission. C'est Nek et Tiadette. Je dois l'annoncer à Apollodorus. Bon ben ça va être... Allez voir Cléopâtre. Bon attendez, principal il y a quoi? Ouais des génabis. Allez voir Cléopâtre. On sait même pas c'est qui encore qui a tué son fils là. Ah le repos de Shadia. C'est ça, à voir repérer à la ferme. Bon, j'ai déjà fait cette quête là, je vais pas la faire là. Parce que tout c'est doux, parce que c'est 50 minutes que je filme. C'était une course
une grosse vidéo, mettons. Prochain voyage, c'est ça, là. Direct. No pression. Par contre, la sensi, des fois, elle bug, là. Pourquoi? Non, non, toutes nos cibles, mais il a dit qu'il y avait deux autres cibles, hein. J'ai bien entendu, puis de toute façon, je savais, là. Il y aurait deux autres cibles. On n'a pas encore trouvé c'est qui. C'est où 7800 mètres! Mais mec, c'est une malade dans la tête, elle. Ok, on va se dépêcher là. De toute façon, on va s'arrêter parce que là. Qu'est-ce que je fais? Parce que de toute façon, on va tester ça pour cette vidéo parce que là, mec. Donc, je sais pas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.